Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Tuffy Tuff, comment allez-vous? J'espère que tout va très très bien pour vous. On se retrouve pour du Red Dead Redemption 2, dans lequel, alors si je me souviens bien, on était à la recherche de John Marston. Donc je vais voir aussi où est-ce que le jeu me fait reprendre quand je l'arrête comme ça, un peu de façon intempestive. Ce que j'ai fait à la fin du dernier Justin V que je vous ai tourné. He Et had been on se seen in retape days. la The weather cinématique. ain't let up. He's strong Je peux and pas he's zapper. smart. Strong and Et je smart. peux passer. Ça, c'est Good. bien. C'est dommage que ça sauvegarde pas pendant la mission. Ça pourrait juste une vie. Pour moi, ça va être un petit peu chiant. Donc, on va couper là pour cette. Je vais couper là et on se retrouve à l'endroit où on était à peu près la dernière fois. C'est parti. Voilà, pardon, on se retrouve. Je prends l'arme sur le cheval. Regardez, on en est là et c'est à peu près où on en était. Et puis en chemin, je me disais, mais j'aurais dû sauvegarder manuellement. Mais c'est vrai que j'avais tenté et que la sauvegarde ne voulait pas marcher à certains endroits. Donc, je sais pas comment je vais faire. Ça va être embêtant, ce juste une vie. Ça va être un petit peu embêtant pour moi, mais c'est pas grave. À partir de maintenant, je m'organiserai en fonction et ce sera beaucoup mieux. Allez, c'est parti, on va donc à la recherche de notre bon John Marston et si mes souvenirs sont exacts, loup, il y a des loups, je sais plus. Alors, votre nerf est un coin inférieur gauche, la jauge extérieure se vide lorsque vous courez, sautez ou grimpez. Elle détermine aussi la vitesse de rechargement. Ah, parce que là, il va y avoir deux sauts. J'aime pas les sauts dans ce jeu. C'est un peu comme The Witcher pour moi, ce jeu. Au niveau des sauts, c'est pas ce que je préfère. Non, je crois pas, il n'y a pas trop de plateforme dans Red Dead. Ok, on est encore dans une phase tuto. Allez, mon bon Arthur Morgan. Allons-y. Mince. Non, je voulais plutôt. Ah oui, c'est croix plutôt pour courir. Allez, tiens, prends une gorgée de courage. Là, du vrai courage. C'était dans quoi ça? J'aimerais bien le boire. Et puis on lui tendait une verre de. Ah, c'est dans Buffy. Avant d'aller affronter Gloria. Et où? Sur la corniche. On va suivre. Je sais plus comment ils appellent. Ah, l'apparition de John Marston, enfin! Même si au début du jeu, il est. C'est pas celui du premier, on va dire ça comme ça. Mais je l'adore, John Marston. Well, can't go back the way we came. Let's try this way. Ain't you a sorry sight? Can't argue with you there. See?
told Dutch you weren't the right man for this. I'm sure you did. Je me laisse prendre par l'ambiance. Hein. À chaque coup, je suis là, je suis bien silencieux, j'écoute juste. Je me laisse. Ah, mais voilà, c'est bien ce qui me semblait. Ok. Première difficulté pour moi ou pas? On va voir. Oui, on va les attirer. Mais quelle riche idée! Ils arrivent par où, par contre? Oula, 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 oula! Non, 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 non! Lâche-moi ça! C'est lequel mon cheval? C'est lequel? Attends, parce qu'il est toujours là, hein? Non, si je le vois sur mon radar. Ok, ça, on s'en est pas si mal tiré. Par contre, je sais plus comment on range l'arme une fois qu'on est sur le cheval. Je crois qu'il le fait automatiquement au bout d'un moment. En même temps, s'il le laisse sorti, c'est peut-être pas bon signe. C'est vrai que la musique, c'est pas qu'il y a... Attendez, il y a des trucs en face. Ah non, non, c'est le symbole Est, tout simplement. Ah! Merde! Oula, pas bon! Voilà! Voilà! Ah, attention, l'arbre! Toi, c'est tout bon! Toi, c'est tout bon! Ok, tranquille! Tranquille, tranquille! Ah voilà, elle. Bon, s'ils me disent de ranger, c'est que ça, on devrait être calme. On récupère John, on a rencontré Sadie. Je sais pas ce qu'on va faire après, mais on reste une paire d'heures normalement dans la neige, donc je sais plus ce qui se passe. Ok, ça marche, on traverse à gauche. Je vous le redis dans cette vidéo que je trouve le jeu magnifique ou pas. Ah bah voilà, on est au camp. Bah je pense. T'étais pas si loin au final, Marston. C'est, les animations du cheval sont folles. Mais folle. Careful, idiotas, it's his leg. Come on, let's get you warm. Thank you both. This is a new low, even by your standards. Oh, c'est marrant, c'est Bill qui le porte, Marston. Lost maidens need saving. Not today. If you and Dutch talk about how we're gonna get out of this. I was just discussing with Herr Strauss when the weather breaks. I suppose we'll have to keep heading east. East? Into all that civilization? I know. The west is where our problems are worse. Come on, Herr Strauss, let's get warm. Thank you, Mr. Morgan. Par contre, ma PS4 est en train de cracher ses poumons, là.
Mais c'est un truc de fou, je pense que vous devez l'entendre dans la vidéo. J'en suis désolé. Ben voilà. Ah, on a un petit quand même. Been resting here in some old abandoned mining town while we wait to thaw. Hardly the spring I had been hoping for. Les événements qui se déroulent pendant que vous explorez le monde et des lieux d'intérêt que vous découvrez sont répertoriés dans votre carnet. Maintenez pour le consulter. Fouillez le tiroir. Attendez. On va faire ça. Tranquille. Prendre. Prends tout ce que tu peux prendre. Fortifier entamé, voilà. Bah c'est pas tout ce qu'on a récupéré chez... Non. But then the storm covered our tracks, so now we wait a bit, and we go back to Blackwater, and we get our money, and we get some more money, and we keep heading west. But we're heading east. Ok, on va aller faire une autre petite mission, hein. On fait P ou on fait B? Bon, on va faire... Bah, le plus proche, tiens, c'est lui. Hop, allons-y. Non, c'est pas toi. C'est là. Boys, because I thought you liked action. A couple of days on the lam, you lot have all turned yellow. Apart from you, of course. Shut up, Micah. I ain't never seen so many long faces. I guess folks miss them. I fell, but when I fall, I don't want no fuss. When you fall, there'll be a party. Party. Probably. Uh-huh. Funny, huh? Sure. I don't feel like being laughed at by the likes of you two. Stop it! Now! You fools punching each other when Como Driscoll's needing punching hard. You want to sit around waiting for him to come find us? All of you, we got work to do. Come on. Are you sure about this, Dutch? Yes. Folks been through a lot recently. We hardly back on our feet yet. And the last thing we need is to get bushwhacked by Como Driscoll. Let's go. I know you hate him, Dutch. He's here for us. I doubt that. Nope, you're just doubting me. I would never doubt you, Dutch. You always said revenge is a luxury we can't afford. This is the right call, Martin. Take this. And this is about more than revenge for business long ago. They were talking about trains. C'est intéressant de revoir la dynamique qui est entre ces personnages au début. Good information. Come on. You think now is the right time to hit a train? Now you might fancy living on deer piss and rabbit shit. I'm getting too old for that life. Mr. Matthews, Mr. Smith, Mr. Pearson. Would you please look after the place? There are O'Driscolls about. Yeah. Nice, c'est parti. On va donc attaquer le train. Yeah. He said follow the main trail southwest. J'adore ces missions. On part tous chevauchés comme ça. C'est quand même super cool. Musique s'éveille. Qu'est-ce qui va nous arriver? What's that? Tracks. Horses, quite a few of them. As far as I can tell, the only fools out here are us and them. They must be this way. You good, Dutch? Of course. Listen, I know you don't think much of my ideas recently, but this is the right move. Okay. You know I got your back. J'espère qu'on sortira de la neige pour ce juste une vie. J'espère qu'on verra un peu la civilisation. This feud between you and him, me
needs to be put to rest, one way or another. It will be. Some things I can forgive, others I can forget. What he did to Hannibal, I can't do neither. You killed his brother, Dutch. Yes, I did. Ah, il y a de la fumée là-bas. Certainement notre point de destination. Moi je descends du cheval moi. Ah voilà. Ah. Ready, Dutch. Good. Now, Mr. Morgan and I, we're gonna head up here a little, see if we can't get a sense of the layout of the camp. Mr. Williamson, Mr. Bell, you take up a hidden position just outside the camp. Attends, Dutch, fais ton discours, moi, je joue dans la neige, quoi. Attends, je vais écrire mon prénom avec des pipis. Let's go. Ah, c'est maintenant qu'on descend. Et ben voilà, c'est en descendant du cheval que l'on va quitter, pour juste une vie. Je n'arrive plus à parler en fin de vidéo. C'est pour ça que je me suis tué des trois quarts de la vidéo. C'est peut-être pour ça. Allez, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Je vous dis donc à très, très bientôt. Longue vie et prospérité. Ciao! Si cette vidéo vous a plu et que vous n'êtes pas encore abonné, eh ben rejoignez-nous. N'oubliez pas de mettre le petit pouce qui va bien, qui aide concrètement la chaîne à se faire connaître. Et n'hésitez pas à cocher la petite cloche pour être sûr de ne rien rater. Tofitof TV, c'est aussi d'autres styles de vidéos. Et je vous dis donc à très vite. J'espère vous revoir. Bye bye!